Hey, Tati a des hameçons puis des appâts pas à peu près, hein? On le sait ce qu'elle va faire avec le petit l'olivier. Ouais. Ah, ils sont partis voir une grotte, je pense. Là, on est dans les montagnes blanches, à peu près à mi-chemin entre Boston puis Montréal. Papy qui grimpe avec son petit homme. Puis moi, mon petit homme, ah, il est rendu l'autre bord, là-bas, là. Il est là, là. Et tabarnouche, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Ah bien? Salut, ben, ouais. Salut! Allô? Tu veux de la grosse roche? Ouais. Donc là, on va descendre. Fais attention. Arrangez-vous pas pour que je vous filme en train de tomber, là. Faudra pas, hein? Ça sera pas beau à voir. As-tu besoin d'aide? Ben non, ça glisse pas trop, ton affaire, là? Ah, il est gros en tabarouette, hein? Un méchant caillou. Moi, quand je regarde ça, là, je me dis, comment ça s'est rendu là? Ça doit être ça, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, là? Je vais aller rush. Regarde, là, François, là, il te filme. Qu'est-ce que tu fais là? Bye bye! Bye bye! Ouais, tiens! On est rentré en bas! Quoi? Je sais pas si je devrais. Parce que ça peut être dangereux, là. C'est haut en maudit, là. Ça peut casser nos vacances pas à peu près, ça. Hein? Je suis capable! Ah, je le sais que t'es capable. Mais s'il fallait qu'il arrive un accident, hein? Brise les vacances! Non! Hein? Qu'est-ce que tu dis? Une tiroche, oui. Méchante tiroche, hein? Une grosse. Méchante tiroche, hein? Il y a des petites tiroches et des grosses choses. Ouais! Des jeunes, ils seraient capables. Ça descend-tu l'autre bord? Attends. Ah! Pierre-Marc qui est rendu là, là. Il est temps, là. Pierre-Marc. Vas-y doucement, là. C'est à pic, ici, là. Il est temps, là. T'as pas besoin de roche. Pourquoi une roche? Pas comme dans les films, quand il arrive, du coup, puis là, il arrive... Là-bas, une falaise, il y a une roche qui tombe tout le temps. Laisse faire la falaise, là, puis laisse faire la roche qui tombe. Oh, que c'est à pic! Ah oui, y aller ou ne pas y aller? Là, la question! Allez, pose-toi pas la question, puis descends, là. Ça, c'est l'école de Tipou. Ouais. Ça sent pas l'homme, mais ça va sentir la journée. Ah, ben, oublie, quelque chose des carottes, je pense. Ça, c'est des bonnes sandwichs. Hey, Olivier! J'espère qu'ils sont bons. Olivier, qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ça? Une zip? Une carotte. Ah, on m'a vu monter une montagne. Une toute? T'en veux-tu un autre? C'est quoi ça? Des carottes. C'est quoi? Des... Wow! C'est un dîner santé, ça? Wow! Un dîner santé, hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Pierre-Marc, qu'est-ce qu'il fait là? Il émette tout le minou? Mais non, hein? Il émette le tout! Hein? Est-ce qu'on rentre, Pierre-Marc? On s'en va dans Boston, puis on va essayer de visiter le Food Center de Boston. C'est là que les loups de Boston jouent au hockey.
il y a aussi Pat Burns qui est resté là, puis Raymond Bourque. Là, on va rentrer, on se prépare à rentrer dans quelques secondes dans la grande cité de Boston. Alors, on peut voir qu'on est déjà dans la banlieue. Les buildings, les gros buildings. Ah, c'est ça. Ouais. Je sais pas, c'est dans... On le voit là, le centre-ville, là. Après les tofus, là. En arrière de ça, on voit tout le centre-ville. Ça a l'air d'être bien feuillu. Waouh! C'est une grosse ville. On fait chier, Dominique, hein? Ça, il a dit que c'était un hostie de morveux. Philippe, il suit-tu, là? Philippe, ouais. Il suit Fifil. Hey, hein, c'est pas évident avec une tente roulette, hein? Non, c'est pas tout à fait. Regarde, les édifices sont beaux, hein? Hey, hein, regarde les édifices. Je sais pas si t'as pris celui qui a une tour, là. Ouais. Qui a une horloge. C'est beau, hein? Mais ça branle pas mal. Ben non, c'est différent. C'est le côté, hein? Pas évident à regarder, là, non? Hein? T'es-tu dans... J'ai aucune idée, là. C'est... Je sais que je suis dans le bon sens, là, mais... Peut-être que ben... c'est leur métro, ça. Ah, ouais? Ben là, je le vois. Regarde, c'est ça, le... Ça, c'est le derrière. Ah, ben, on va peut-être pas... Ah, ben... Oh, on va peut-être passer juste devant. Bon, mais c'est parfait. C'est là qu'on était à l'heure, c'est ça qu'on voulait pas passer devant. Ah, c'est ça. Ah, il est en réparation, on dirait, hein? Il était à côté de la démolition de quelque chose. Moderne, puis il y a du vieux, puis beaucoup de réparations. Hein? As-tu vu ça, toi, être en réparation? À grandeur. Alors, on arrive à comment ça s'appelle? Sagamore, ouais, proche de Cape Cod. On n'est pas tellement loin, à peu près, comment j'ai dit, 30 quelques mille, ouais. Mais comme on peut voir, il y a beaucoup de trafic. Ça fait du bien de sortir là, du trafic de Montréal. Oui, hein, c'est la gang de Fofo, ils s'en vont tous à Provincetown. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont. Alors, on se fait tout à queue lulu. Puis là, ben. Fais attention pour se faire rentrer derrière. C'est ça. Puis là, ben, en arrière, il y a Fifil. Attends, je vais regarder si je peux pogner Fifil. Attention, qui bosse pas une auto. Attends, il y a du Fifil.
Je vais juste tirer ton bras. Juste une minute, là. Allô? T'es-tu en vacances? On se suit à la queue Lulu. On va à Province Towns. Bye-bye! Non, 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 là, je suis en pas de... Oh, que c'est beau! Wow. Hein? Hein? Super beau, hein? Et puis, tu connais... Et puis quoi? Et puis, comme ça? Oui. Et puis, il chauffe. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Fifi, là? Il suit. Il est dans mon... Il lâche pas. Même dans le rond-point, il suit. Alors, là, là, il est... Ben, on le voit dans la vitrine, hein? 4h40 et 41 minutes. Il nous reste à peu près 35 minutes. Non, ça, il n'y a pas l'air autant de trafic que ça. Bon, on a passé le plus rough. On va être dans une heure, gros max. Fait que c'est ça, la route. On était quoi? Auto-connecté? Non, on n'est pas connecté. Au Massachusetts. Au Massachusetts. Et puis, on s'en va vers Cape Cod. Ah! On est à Cape Cod. Là, non, Cape Cod, c'est une ville. Non, mais non, c'est un île. Cape Cod. C'est le Cap de la Morue. On va passer par la ville de Sandwich. On est à Cape Cod, puis il y a plusieurs, c'est ça. On va passer par la ville de Sandwich. Alors, on arrive où, là? À Sandwich. On arrive dans Sandwich. C'est une des villes les plus populaires à Cape Cod. Très, très, très populaire, cette ville-là. Ça, c'est ça. Moi, je me prends pour une petite tranche de jambon. Puis toi, un paquet de tofu? Exactement. Non, pour une affaire de morue, ça va faire une sandwich à la morue à Cape Cod. Sandwich à Cape Cod. Ah oui. Japon. Ah, mon petit jambon. Comment tu te sens enveloppé dans la sandwich? Oh. Je viens de voir une pancarte, c'est marqué héritage plantation. Aïe aïe! Aïe aïe! Alors, boire sandwich et. On est dans en du pain qui fait. Fait que là, les filles, là, je pense à vous autres. Là. Bon. Dominique, c'est ici, à Cape Cod, qu'elle a vu la première fois la mer. Cape Cod, je pense que oui. Oui, c'est ça. Bon, ben, on va arrêter de filmer, hein, parce que la route est belle, là, mais maintenant, c'est neuf. C'est neuf, c'est neuf. Le feu, il commence à être pourri. Habillez-vous! Je filme! Je filme, là, là! Bonjour! Hein? Bonjour! Bonjour, là! La madame, elle s'est cassée un orteil! La madame, elle s'est cassée un orteil! C'est bien foulé, je ne sais pas, là, mais... C'est bien toi, ça? Ça fait faire ben, ben mal. Mettons que ouais. Ça fait mal en petit péché. Attends. Tu t'es fait couper les cheveux? Tatanée! Et c'est ici que t'as fait couper les cheveux? Non, non, deux semaines avant de partir. Hey, là, il y a eu une petite erreur. Ouais? Vous avez dit... Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de bébite ici. Ouais. Il y a de la bébite. Il n'y avait pas de bébite. Allô, Thibaut. As-tu ton bébite? Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Ça? Il y a de la bébite, hein? Ah, ça va? Ça va bien, toi? En forme? Ah, oui, oui. Ouais. Good. Prends-moi là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait, Olivier, le papillon? Quoi? Ça va dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait, le papillon, Olivier? Monte là! Il sait.
Il s'aide pas pantoute. Montre-le à Tati, ton papillon. Regarde, Tati, elle va le filmer. Montre-le dans l'air. Montre-le. Wow, tu l'as fait. Prends-le, là. Il est où, le papillon? Le papillon. Ah! On appelle ça une manne. Là, c'est une manne, ça? Il veut pas partir à voler, hein? Au moins, il y a un petit problème, ton papillon. Il est parti dans le ciel, oui. Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner ce matin? De l'air. Pas compliqué. Tu as mangé des papillons? Tu vas avoir des papillons dans l'estomac si tu ne manges pas. Ah, là, il est en train de tout te le décomposer. Il est mort depuis hier, il est mort. Il est voyant. Penses-tu qu'il va mieux voler avec les deux ailes de même? Alors, on va filmer notre bivouac, hein? Notre installation. Allô? Qu'est-ce qu'il dit? Il va y chercher un papillon bleu. Oh! Mais là, il faudrait que tu aies ton pyjama, là. Regarde, on va aller chercher un papillon. Il est papillon aussi! Il va peut-être pas être bleu. C'est rare des papillons qui sont bleus. Oui. Oui, là, il y en avait un genre de monarque bleu. Non, tu vas pas loin. Ça va, avez-vous du stock un petit peu? Un petit peu, Ce qu'il y a de pire, c'est que la valise est pleine. Tiens, bois. Olivier, il a hâte de voir les poissons. Ça, gravis. T'as un autobus, ça nous prendrait? Hein, Olivier? Bye. Comment ça va? Non. Ben là, la mer. Il est tanné, bon, ben, on s'en va à la mer d'abord, là. Oui, là, ça marche, là. Bonjour, alors, ce beau dimanche matin, on vous a invité à Cape Cod. Il fait beau, la mer est belle. On s'excuse pour les nuages. On s'excuse pour les quelques petits nuages. C'est pas prévu. Ouais, mais il y en a vraiment pas beaucoup. No hein. Refund. No refund, c'est ça. Bon. Bon. C'est froid, hein? Apparemment qu'elle est à 62. Oui. La piscine, je l'ai bien trop quand c'est vrai. Non. Elle est plus brave que moi. Pas l'air à le déranger, pas en tout.
vague. Ouais, hein. C'est très bien surveillé. Je trouve qu'il y en a un qui s'éloigne un peu trop. De siffler. Des bonnes vagues. Eh boy! Il a eu une dans le dos, là. Il a perdu quasiment son costume de bain. Ah, oh, il a une qui m'a cassé dessus hier, là. Oh, la route! Ça, hein? Oh, fait, était grosse. C'était une grosse, grosse. De la marée montait, là, tu sais. Puis, là. Comment tu fais pour faire ça dans l'eau fraîche de bain? Non, un coup des saucisses, en plus, c'est pas bon. Non, non. C'est pas bon, un petit saucisse. Pas peur, hein? Donc, un mauvais temps pas le dos. C'était peut-être mieux pour, hein? Je vais le donner à papa. Est-ce que vous souffrez? C'est une journée que ça prend des verres à souper. Mange la merde. Non, pas bien. Tu vas-tu les amener tes verres à fumer demain, Pépé? Bien, certainement. Je viens de te comprendre. Ta casquette tout croche. Pépé, ta casquette tout croche, pas le même que tu vas pogner. Non, là, là. Ça va mieux. Qu'est-ce que tu fais, Olivier? Olivier? Qu'est-ce que tu fais, Olivier? On va aller rejoindre Lucie. Et tu souffres-tu, Lucie? C'est pénible. Pénible?
Et c'est qui les deux petites sœurs, là? Explique-toi le contenu de la sandwich. Très, 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 très bon. Très, très bon, le sandwich de pita.
Vas-tu baigner avec papa? Oui. Ah. Maman. Oui. La gardienne de château, ok. Va te donner un petit peu avec papa, là. Les deux hommes de ma vie, là. Les plus belles images. Papy et Olivier, puis François et Yannick ensemble. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Où suis-je? Oh. Où suis-je? Oh! Hello! Hello! Hey! Hello, hello, hello! Ça, c'est le centre des Grands Brûlés? Ouais, le centre des Grands Brûlés. Le centre des Grands Brûlés. Tiens. Tu peux pas y mettre moins serré, tes sandales? C'est enflé pas à peu près, hein? Ça va, je les ai immortalisés, là. Ça va me montrer. On voit que c'est rouge en crise. Ça va me montrer la prochaine fois. Hey, t'as l'air d'un homard, mon Philippe. J'en ai mis, là. T'as eu de la crème, là? De crème. Pourtant, je suis guéri. Ça te fait du bien? Tu vois pas ça de même, toi, là? Tu vois pas ça de même, là? Hein, ça te fait du bien? Je sens rien. Ça va être quand tu vas avoir fini? Dans la glace, tu vas être bien, mon Dieu. Bon, ça, je suis convaincu. Tes pieds sont gênés? Dans le lac. Tes pieds sont gênés? Tu veux-tu qu'on aille te chercher de l'eau glacée pendant que tu vas souper? Tu vas te prendre des deux pieds dans l'eau en dessous de la table? Oui, après ça. Puis toi, mon petit pit. Oui, regarde, on te met les deux. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, non, dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Bon, François. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais là? Allô? François? Oui? Là, tu vas aller prendre le seau qui est là. Ouais. Tu vas aller mettre de l'eau glacée à Féphile. Oui. Mettre en dessous de la terre, il va se mettre les deux pieds dedans. Absolument. Là, il veut y aller lui-même. Ah. Il dit non, non, non. C'est nous autres qui savons. Vas-y tout de suite. Féphile? Non, non, non. Oups, qu'est-ce que je viens d'entendre, moi, là? Un col brun qui vient de passer. C'est-tu toi, là, qui a des cols bruns?
Oui. Oh! Oh, attention, oh, là, proche du feu de même, tu devrais. Hein? Tu devrais jamais faire ça proche du feu si tu vas exploser. Olivier! Olivier! Qu'est-ce qu'il fait le spaghetti à Tati? Enlève la suce, là. Dis-moi ce qu'il fait le spaghetti à Tati. Ça n'est pas choqué. C'est quoi qu'il fait le spaghetti à Tati? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'appel mécanique? Ouais. C'est quoi le bruit de l'appel mécanique? Oui. Tu vas te faire manger du spaghetti à Tati ce soir? Oui. Hein? Oui. Oh! Je suis contente. Veux-tu le boubette? Donne ça à ta bouteille. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Il est-tu mort? Non. Non? C'est le grand oncle. Tu l'as pogné vivant? T'as pogné un papillon? Tu l'as pogné d'aplomb, voir ça, hein? T'aimes-tu ça, des papillons? Oui. Oui. Il est-tu tranquille, ton papillon? Non. Qu'est-ce qu'il fait, ton papillon? Il est dans le ciel. Hein? Il est dans le ciel. Il s'en va dans le ciel? Ah, OK. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il frétille? Non. Oh, tu y étires les ailes pendant que... Ça lui fait du bien de s'étirer le matin, hein? Mais c'est papillon, ça. Oui. Il vole-tu encore? Non. Non? Il file pas, je pense, hein? Il file-tu? Continue à les tirer de même, puis va aller dans le ciel pour vrai, hein? Yeah. La papillon? Ouais. Elle tourne. Il tourne? Il doit se débattre, il se débat comme un yob dans l'eau bénite, en tout cas, hein, moi te dire. La papillon a des ailes. Il y a des ailes, là, ben oui. Puis Amak, qui t'a l'a-tu expliqué, c'était quoi les bébés papillons, comment ils s'appelaient? Les chenilles. Olivier, comment ils s'appellent les bébés papillons? Comment ça s'appelle, des bébés papillons? Les chenilles. Des chenilles. Dis-le, des chenilles. Oh. Il se débat un peu, hein? Tranquille. Il va-tu rester tranquille, tu penses? Oh, il est assez tourdi, là. Wow! Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Pas trop fort, Piamac. Oh, il est monté sur la main! Il veut se faire prendre. Chante-lui une petite chanson. Tu chantes-tu une chanson? Non. Non? Non. Oh, il y en a un gros papillon qui vient de passer, là. Tabarnouche, j'étais gros de même, François. Ah, ouais. C'est un monarque. Ça, c'est les monarques qui sont gros de même. Ah, il était super beau. T'as pogné un monarque, mon petit gars, là. On aimerait bien ça. T'as déjà pogné un monarque? T'es trop vite. Qu'est-ce que vous faites là? On est en bateau. Un bateau. Vous êtes en bateau? En hamac? C'est quoi mon nom? Ah, Olivier, c'est qui ça? Il fait dodo. Olivier, il fait... Qui, là? Olivier, il fait dodo. Ah, t'es en bateau avec qui, là? Ben non, hein? Les deux font dodo? Non. Ah! Les deux se sont réveillés. C'est papy, ça? Hey, c'est papy, ça? C'est papy, ça? Attends, écoute, tu chantes une chanson. C'est quoi, tu chantes? Pique-pique les maringots.
pique-pique les petites guêpes. Pique-pique les gros thons. Pique-pique les petites abeilles. Pique-pique les petits papillons. Tu chantes-tu le cheval de bois? Tu chantes-tu le cheval de bois? Pique-pique-pique. Oui, tu chantes pique-pique-pique. Pique-pique-pique-pique-pique. C'est quoi mon nom? Tu me fais mal à bébé. Voilà la mère. C'est quoi mon nom? Papissi. Oui, mais faut. C'est avec qui t'es là? C'est qui ça? Il dit pas, il dit tout le temps sauf quand la caméra. Il sait qu'on veut le. Regarde moi ça, il y a de la suie dans le front, toi. Pauvre enfant. Fais-tu un beau bec à Tati? Papissi, allez. Hein? Papissi. Papi aussi va venir? Oui. Est-ce que tu donnes un beau bec à Tati? Papissi, papissi. Laisse faire papi, là. Tu donnes un bec à Tati? Non. Oui. Oh, oh, oh! La bébé de Pierre-Marc, attention! C'est qui ça? Ta voix. Oh, la bébé, t'as caca, hein? Pierre-Marc, qui va virer Pierrette, là, si ça continue. Pierre-Marc, il va parler avec une petite voix. Papi-ci. Hein? C'est-tu Pierrette, ça? C'est-tu Pierrette, ça? Non. C'est qui, ça? C'est caca. Caca. Ah, ouais, maillot de bain. Papi-ci. Oublie-les donc, papy, là, deux minutes. C'est quoi mon nom? Il l'a dit, Pierre-Marc. Allô? Où, papy? Mon nom, c'est Caca. Bon, ici. Bonjour. Ici, Pierre-Marc Mellet-Lefebvre, à Cape Cod. Je suis en train de. Je vous ai dicté tout pour nos vacances. En dernier, on est. Là, on a vu Olivier qui disait Carcarc. Ça, c'est mon nom. C'est mon petit cousin. Et puis, il y a la madame, ça c'est ma tante. Ma tante Lucie. Le monsieur, lui, c'est Papissi, ça c'est mon oncle Féphile. Il y a maman aussi, il y a toi, papa. Il y a moi, bien sûr. Puis, on est à Cape Cod. On est allé à Provincetown, la ville des fifis, comme on dit. On a vu pas mal des héros, là, des petits, des gros, des annonces cochonnes. On a vu aussi des lesbiennes, toute le kit. Puis, juste avant hier. Il répète ça. Puis avant, hier, on est allé à la mer. L'eau était très, très froide. Lundi, on est allé, puis mon oncle Féphile, il est devenu très, très gêné. Il avait les pieds super enflés, il a pogné des méchants coups de soleil. Moi, je n'ai pas rien qu'à la hauteur des fesses, mais c'est pas grave. Moi, j'étais environ 24-25 piqûres, puis il fait super beau. Ici, Pierre Martinel Lefebvre, à Cape Cod.
fait tout comme Pierre-Marc. De la misère, là. Hein? Tant qu'elle voit de la misère, c'est de la misère de même. Ah ouais? T'as de la misère, là? Ah, oh, elle a fait la misère. Quelle sorte de misère que t'as? Les amants vont voir cette vidéo, là. Ah ouais? Ça tente pas de voir une vieille schnippe de 43 ans en train de se faire ratatiner la peau, c'est pas. Puis ils vont être jaloux. Et moi, je vois un beau paquet. C'est pas grave, tu le filmes pas. On est à Yannis. Oh, il est beau du coup.
chum? Ouais, en venant, on va arrêter mon couteau. Il y en a des voiliers. Hein? C'est une belle place quand tu es assez loin ici. Elle est où, ma tante Lucie? Elle est dans l'auto parce que dans le... C'est violent, ça? Ben, des fois, oui. Si je m'approche sur le bord et qu'ils aiment pas ça, ils peuvent venir courir vers moi. Ça, je sais pas. Des fois, ça dépend à eux autres, s'ils sont, comment est-ce qu'ils sont habitués aux gens. Là, je pense qu'ils sont habitués. Ouais. Mais sont-ils habitués tellement qu'ils vont... qui vont te courir après si tu t'approches? Je sais pas. J'aime mieux pas prendre de chance. Ah non? Mais approche donc, on va voir. Allô? Allô? Hi, how are you? Hey. Hi, mister. What's your name? You want some grass? No, elle aime pas ça. Elle aime pas ça? No. Allô? Allô? Je n'ai vu un, maman. Allô? Tu viens de te réveiller? T'as fait un petit dodo? Ben non, un gros dodo. Un gros dodo. Hey! Puis là, on se promène en camion? OK. OK. Alors, ça serait dans ce coin-ci qu'ils vivraient les Kennedy. Qu'est-ce que tu veux, là? Non, non, non. Je sais que dans le temps, c'était une maison ronde, mais il y a eu le temps d'un drapeau ici. Là. C'est peut-être ici, là, mais ça prendrait pas mal. Une guérite. Ah, s'il y a une guérite, il y a des bonnes chances que ça soit là. Parce que c'est beau en tabarnouche. Des belles maisons. Bien qu'ils n'identifient pas pour avoir la paix. Hein. Mais il devrait y avoir quand même des gens qui gardent. Moi, je m'en irai vers la mer. Tour business. Tour buses. Oui, mais moi, je dis que c'est... ça doit être ici l'entrée. Pas mal sûr. Il y a des tours d'autobus, là. Moi, ouais, c'est ça. Probablement que c'est en arrière de ces grosses affaires-là. Je suis pas mal sûre que c'est ça. En tout cas, c'est quand même... Est-ce que c'est une idée de... De ce que c'était.
Que quand on les voit jouer, ils jouent sur le bord de la mer. Faut que tu sois capable de se rendre en mer, ça. Washington Avenue. Je filme tout comme ça, là, at large. Joseph, attends un petit peu, ok, je suis partie. Ça, c'est Joseph Junior. Ok, après ça, on va voir un petit peu plus loin. J'espère qu'on va pouvoir se tourner. Ça peut pas me manquer. Wow, c'est pas ça. Ah, c'est ça ici aussi. Ça en était un autre, ça. Ah ouais? Mais on ne peut pas la manquer. C'est tellement gros, là. Mais... travail. Là, ça en est une, c'est celle-là, là, la grosse blanche. En tout cas. Pas bien, hein? Non. Private Pier, c'est ça. C'est ça. C'est ici. Donc, si on veut voir, là. La Guérite, là, c'était la maison de Junior. Ça, c'est la grosse maison blanche qui est là. Ça, c'est la maison. Tiens, François, tu peux essayer de prendre une photo. Tu... ça, c'est la maison de... du père, du patriarche. C'est ça, c'est là. C'est spécial, Tarzan. C'est spécial, hein, quand on se rapproche de l'histoire comme ça. Hein? Un peu plus touché. Tu veux dire sur la beach? Ah non, c'est juste là-bas. Je sais pas. Ils disent que c'est un private pier. Ouais. Ça devrait. Ah oui, il parle de là. Ouais. J'imagine que c'est en bas. En bas, jusqu'à pas de problème. Ah, j'irais bien me promener, là, moi. Hein? T'irais bien te promener, toi. On peut aller passer en avant, je veux dire. Tu veux dire sur la beach? Ouais. Passer en avant de la maison. Et c'est où stationner nos autos? On peut laisser ça droit là. Je fais un autre parc.
Alors là, on repart vers Montréal. Et puis là, bonjour, François. Allô. Bonjour, Emma. Allô. Emma qui est avec ses cochonneries. Super bon. Et on est vendredi, 2h34, comme vous pouvez voir. 24 juillet. On arrive à Boston et c'est le trafic. Et là. Quand je t'assise comme ça, dans le fond, je vois le dessus du site, là, des essuie-glaces. Ouais. Je suis mieux de lever plus. Hein? Ben, c'est pour ça, ben, viens de mettre ton œil droit, comme je te disais l'autre fois. Tu veux faire à ta tête. Ah, OK. Mon œil droit, puis je vois exactement ce que je vois, c'est ça? Ben oui. Ah, bon. Ah, OK. Tandis que si je fais ça comme ça... Tu baisses. Ben, je baisse. Regarder par en bas pour toi. Ok, on va replacer ça comme peine. That's what you would do. Et voilà, excusez-moi, ça va prendre. Mais c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, c'était bien beau, hein? C'était ça. C'est que. On va refaire ça tout à l'heure ou sur le fond. Le voir à Boston. Il y a pas mal de trafic. Ouais. Là-dedans, on est 2 minutes. Hein. Boston University Medical Centers. Si t'as mieux qu'elle va sur Internet, on va à Boston, l'Université de Boston. L'Université médicale de Boston, ça serait là. C'est pas mon pit. Tu vois l'édifice qui est là? C'est assez spécial. La tour, là? Ouais. Ouais. C'est peut-être une caserne de pompiers pour parler. Là. Qu'est-ce que tu me dis? Caserne de pompiers. Malade, tu... Super beau l'architecture. Beaucoup d'Irlandais ici. C'est lit. Étant donné que c'est lit, mais Rachel elle le fait. Mais non, mais parce tu sais, ça fait... Ça fait... As-tu vu le nombre de... Non, ça veut dire au moins que ça se construit. T'es que... C'est mieux que Montréal. C'est
dire ça dans le camp? Centre-ville. Welcome to Chinatown 11. Chinatown. Deux heures. Ça fait longtemps qu'on est ici. D'accord. Si ça l'avait été, on aurait engagé leur contracteur. C'est bon. The future now under construction. C'est majeur. Les édifices sont larges, hein, puis sont gros. Il n'y a pas personne qui est capable de traverser la rue ici. Qu'est-ce que non? C'est pire que des Laurentides. Ben ça. Quelqu'un qui vit ici déménage à Laval, ben, c'est lui, il laisse son enfant c'est traverser cœur, des hein? Laurentides. C'est assez particulier. Peut-être des condos, je sais pas quoi. Il y a un côté carré, l'autre. Regarde, c'est ici la petite affaire en rond et tout. Ça n'a pas l'air des bureaux en haut, c'est des chambres, ouais, regarde les. Ouais. Quelqu'un s'est loué un condo ici, puis son bureau est en bois. Je pense que. Ça brasse, hein? Oui, il y a plein de boss. Tiens, le Fleet Center, c'est bien, hein? Mon Dieu, regarde, c'est tout arraché. La dernière fois, on était venu, il y avait quelque chose, là. Ah, ouais? Ouais. Ben oui, c'était le Boston Garden, ils l'ont défaite. Je sais que tu fais fil, là. Qu'est-ce qu'il y a, Fifil? Je sais pas. Suis-tu, Fifil? C'est pas, je vois pas, pantoute, pantoute. Tout à l'heure, il était dans mon derrière, puis là, je vais rouler bien tranquillement. Des restaurants, puis ça me trouve devant une route nationale. C'est bien mal fait, les annonces. C'est beau, par exemple. Ouais. Tu viens dans un restaurant? Tu
c'est beau les routes. On est dans les montagnes blanches. Pourquoi ils appellent les montagnes blanches? Parce que je pense que c'est parce qu'il y a de la neige sur le toit des montagnes, même en été. C'est beau. Stationnement, c'est comme dans les films, là. Les films, tous les stationnements sont tous bizarres, hein. Family et tout, non, c'est pas ça. Il a manqué en plein milieu des montagnes blanches. C'était pas là-bas? Non, mais il faut faire par là. Ah, qu'est-ce que t'as fait déjà? Pas là-bas. Ah oui, il faut aller là-bas, mais il faut que je passe de ce côté-ci du rond-point. Ça me brosse. Mais oui. Hein. Ça va brosser là parce qu'il y a de la grenote. De la grenote. La grenote. Where is the field? Ça s'appelle Tree House. Je suis comme une lettre, moi. Check field et tu vas le trouver. C'est ça. Ah, belle la petite voiture en avant de nous. C'est une Corolla Toyota. Les maisons sont super belles. Donc, on est à jour, tu me dis? À Plymouth. Plymouth. Une sorte de char, ça? Oui. Fifil, il est en avant, je le vois. Où tu vois? Fifil, là, je le vois plus. Il était en avant, là, 2 secondes. Il est là. Où ça, là? Ah, OK. Tree House, restaurant and lunch. Voilà, Fifil. Et Christy. Oh! Où est-ce qu'on se parque, là? Vito! Je sais pas où est-ce qu'on se parque. Est-ce qu'on se parque? Vito! OK, Pierre-Marc. Oh! La chance de stationner ici. Tu penses, toi? Tu prends la chance de stationner ici? C'est pas marqué no parking nulle part. T'as les moyens de prendre des chances comme ça, toi? Non, mais c'est pas marqué no parking nulle part. Mongolie. C'est ça. Le lieu, c'était Ilanet.
Non, je suis correcte, là, je t'ai brillé, là, fait, quand je te pas qu'il fasse trop chaud, c'est pas... C'est mes fringues qui me fatiguent. C'est comme un film, là, dedans. Ouais, est-ce que son sel? Non, c'est comme... La buée? La buée, ouais. Ça brasse. C'est beau, hein? Ah. Ça va branler, ça brasse assez. Ouais. C'est pas d'aller. Ça fait ça, là. Ah, tu fais-tu exprès? Non, non, ben, écoute. C'est couvert, il y a la caméra. J'essaie de trouver une travée qui ne bouge pas. Ben, c'est beau les chemins sinueux comme ça. Wow! Ben là, je vous dis. Je voulais pas d'aller. Sont sales. Ouais, ils sont comme un bruit. Thank you.
ça monte, hein? Bassin, à un moment donné, c'est peut-être parce que les chevreuils vont boire. Il y en a peut-être beaucoup. Regarde, c'est des pancartes brunes, hein? C'est un parc vraiment. On est dans le parc Franconia ou Franconia, évidemment. Oui. Tu passes par ici, hein? Oui. À Toyer, il semble qu'on est déjà passé. C'est ça. Je ne me rappelle pas. Le vue de jour, le mec. Oui, c'est ça. Puis on n'arrive pas sur le même angle, dans le sens contraire. Donc, c'est pas les mêmes paysages. Il y a des chemises karaté sur le bord de la route. Les gars, la montagne en face. Impressionnant. Vraiment dans un entre des montagnes. C'est beau. Dans l'heure qu'il fasse noir. C'est-tu les montagnes blanches?
Oui. Exactement. On est passé ici. On a-tu passé dans une route ascension avec juste une voie comme ça? Avec, Je ne sais pas. Ben oui, on est passé. Ouais, OK. On voyait les montagnes blanches, puis là, moi, j'étais en train de lire mon livre, puis là, ma tante, on m'a dit, elle a dit, regarde, ça doit être pour ça qu'il appelle ça les montagnes blanches. Puis là-bas, il y a un point qui est encore plein, tout ombragé là-bas. Je me rappelle l'avoir vu, j'ai dit, en tout cas, cet endroit-là, il doit pas y avoir de. Old Man Viewing. 3/2000. Ça, j'avais vu ça. Il paraît que c'est le visage d'un vieil homme qui est sur un rocher. Je sais pas ce que c'est. C'est à flanc. Ah, je pense que c'est ici. Peut-être même pas ça. J'ai vu ça dans des photos de choses. Là. Ah, je pense vraiment que c'est ça. C'est en plein ça, c'était marqué Old Man Viewing avec Paul. C'était les deux prochaines sorties. Ah, OK. C'est les deux prochaines sorties. Ah oui, c'est ça. On ne sait pas bien. Corn Lake, j'avais cru pouvoir Corn Flake. Je vous dis de la Ils ont tous des noms. C'est où là-bas? Ouais. Des roses, c'est ça? C'est la rose, comme une chose de bon. Hein? C'était comme une joint dilatation. De... T'es sur un pont? Je sais pas. C'est doit. Mets ta gomme, mets-toi là dans la bouche, s'il vous plaît. Ouais, on est en Vermont. Deux foyers. La salle de bain.
deux fois aller. Quoi être riche. C'est cool. Oh. J'ai eu une remarque très pertinente concernant l'escalier. Avez-vous peur que je vienne? Il y avait des foyers, oui, trop fait. Il y avait seulement à l'origine 4 foyers dans le manoir, un à chaque bout. C'est parce qu'on veut. Notre mandat, c'est vraiment de commémorer Papineau. Une époque particulière, Papineau. Je veux que tu me fasses un bureau de main à la maison. OK. On va acheter d'autres terrains. On achète au terrain. C'est génial parce qu'il n'y a pas les étiquettes. Maintenant, je vous ai parlé d'une cloche qui servait à sonner pour les repas. Oui. On a la cloche ici. Je ne sais pas si j'ai un bénévole ou une bénévole pour... On va y aller, ça n'a pas de cloche. Clément, peux-tu fermer la touche? Mais je vais dire, c'est pas des coups secs pour donner, c'est vraiment des coups longs. C'est un système de poulet. Ah oui, c'est ça. Là, tu es prêt? Non, soyez pas prêts encore. Préparez-vous, il va être prêt bientôt. Allez, vous amis. Allez, mange un peu plus, non? Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans des films, on voit souvent des châteaux forts où il y a un bout de fusil qui sort par un trou qui sert à tirer. Ici, ce sont juste des fausses meurtrières, donc c'est de la décoration, mais ça renforce l'image d'un château fort. Ça, c'était le derrière. Donc, elle appelle ça plus Regency, hein, style villa. Puis la tourelle, c'était sa bibliothèque. On prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, hein? Elle avait bien dire une niaiserie. L'arbre qui est là, c'est à 200 ans à peu près. On arrive de là. Et ici, la tour qui est là, c'était les escaliers. Puis ça, la petite tour, c'était les toilettes. Ça, c'était le devant du manoir qu'on voyait à partir de la rivière. La toilette est là, la tour de l'escalier. Ça, c'était une serre. Et ça a été rajouté après, hein, c'est ça? Ouais. C'est des pièces qui ont été rajoutées après ça. C'est drôle, hein? Le devant, c'est pas par là qu'on rentrait. Ouais. La maison de thé. On va prendre le thé là après souper, j'imagine. Là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbres devant, hein? J'imagine qu'ils vont le restaurer. On dirait une chapelle, mais c'est un bâtiment pour entreposer le grain. Alors, on vient de là, qui était le pavillon. Ça, c'était notre petite fille qui racontait. C'est le seul bâtiment qui reste. Oui, hein? Ça, c'est la chapelle là, où est-ce que toute la famille Papineau est enterrée.
Ici, non, ça c'est Louis-Joseph et sa femme. Ça c'est son fils. Non, ça c'est Seigneur. Oui, mais ça c'est en français. Ah oui? Avec son fusil. Ça, c'est son père, non? Non, c'est c'est la preuve. Ça veut dire qu'il faut que tu te laves les mains après avoir joué au ballon? Exactement. Et mon Dieu. Il y a vraiment oui, ça c'est plus difficile. Oh, non, c'est leur taille. C'est sûr que c'est ça ici. Ça, c'est la moisissure. Moisissure. Qui vient de. Maxime, ça vient d'où ta moisissure? Ton numéro 1. Ça vient de où? Ça vient de ses cheveux. Tu te laves les mains? Quelqu'un qui est au. Des bactéries. Mais quand tu commences à être bleu, c'est ça. Ça commence à être bleu. C'est temps d'acheter le yogourt. C'est temps d'acheter le yogourt. Hey, la gang a disparu tout d'un coup. Il a disparu tout d'un coup. Ça a disparu que le monde avait ce micro. Hey, y a-t-il des staphylobacées dans celle-là? Staphylobacées. Ça, c'est le ballon. Regarde, ça veut dire que c'est hémophile. Hémolyse. Ça mange un petit peu. Ça mange les globules. Ah ouais? Ben là, je te vois pas, il y en a qui sont. Ça, c'est des bactéries et moisissures du ballon. Ah oui? Ça, c'est deux, c'est toile d'araignée. Ça, c'est une toile d'araignée. Hola, hola! Ok. Ça, c'est mon tout bouillard. Je fais le pop. C'est le ballon. C'est que je recommence. Hein? Ballon. C'est le ballon. Tu bras. Ok. Toile d'araignée. Ça, c'est quoi? C'est des bactéries, ça? Des bactéries et moisissures. Regarde. Là, t'es trop proche, je te vois pas. Ça, c'est des moisissures, ici, au bout de mes doigts. Okay. Moisissures. Puis le reste, c'est. Moisissures sur le doigt. Ensuite, le reste, c'est. Des bactéries. Des bactéries. Ok, là, faut que j'aille me laver les mains, j'ai touché à moi aussi. Je vais te voir dans le cadre. Vous pouvez checker, mais touchez ça. Ok. Je vais juste regarder si je pourrais voir avec ça. Vous voyez derrière vous les photos sur la Non, c'est pas. C'est les plus importants. On essaie de former.